Je m'appelle Conakry Bassen. Je suis originaire de cette île. Et l'île s'appelle Eloubalir. C'est le vrai nom de l'île. Et c'est une île qui compte 42 cases, dont la population est estimée à plus de 600 personnes au grand complet. Plus de 600 personnes sur 42 cases, c'est un peu étonnant. Mais par la suite, quand nous allons faire la visite des cases, vous allez comprendre qu'il y a 600 sur 42 cases. Cette population est composée à majorité animiste. Quand je dis les animistes, ce sont ceux qui adorent les fétiches. Donc, nous aurons la chance de découvrir quelques fétiches. L'activité principale de cette population, c'est la risée qu'ils tirent, la culture du riz. Et aussi la pêche des poissons, de la crevette pour gagner un peu d'argent. Et la quête des huîtres et la recherche du sel du côté des femmes. Ce sont les femmes qui font ces deux activités. Et le plus grand problème du village, c'est le problème de l'eau. Nous avons des difficultés pour obtenir de l'eau pour boire. Sur l'île aussi, nous en avons 5 cases en impluvium. C'est de très grandes cases qui regroupent plusieurs familles. Nous aurons la chance de visiter 2 ou 3. Nous avons aussi une case de santé, une maternité, une école primaire et une discothèque là où nous faisons les bals poussières. Là, vous avez une case en construction. Donc, chez nous, c'est les hommes qui doivent construire les cases. Donc, quand on construit une case, nous allons d'abord démolir l'ancienne et réutiliser la même terre pour construire la nouvelle case. Donc, nous allons casser les murs avec les bâtons des palétiviers. Et après, nous allons muer la terre. Et après, nous allons utiliser nos caillandos pour la préparer. Et après, nous allons utiliser nos mains pour former des boules sous forme de briques que nous allons utiliser pour construire la nouvelle case. On fait un mur, 3 jours ou 4 jours après ça sèche, on peut mettre un autre mur jusqu'à obtenir le niveau voulu, la hauteur voulue. Ça, c'est les fameuses cases en impluvium dont je vous expliquais. Donc, je vous ai dit au départ que sur l'île, il y a 17 cases en impluvium. Et de nos jours, il ne reste que 5 cases en impluvium. Et la plupart des cases en impluvium, c'est de très grandes cases qui regroupent plusieurs familles. Comme dans celle-là, elle compte 7 paires de familles et 62 personnes au total. J'en fais partie des membres de la famille. La toiture, elle est faite avec des tiges d'oronier, de palmiers et de palétiviers et elle est recouverte par de la paille. Pendant l'hivernage, quand la pluie tombe, nos mamans vont placer sur le bas de l'entonnoir des bassines pour récupérer cette eau qui ruisselle de cet entonnoir. Et cette eau, nous l'utilisons pour boire, pour faire le linge, pour faire la cuisine, pour faire d'autres besoins. Et pendant le jour, l'éclairage de la case est assuré par le soleil et nos mamans se repèrent à base du soleil pour faire la cuisine. Ça sert de cadran solaire. Elles savent très bien si le soleil arrive à tel endroit, il est l'heure pour préparer le repas. Et les lieux de cuisine sont représentés à l'intérieur de la case. Chaque mère de famille va faire sa cuisine à part. Elle va manger avec son mari et leurs enfants. De peur qu'il n'y ait pas de paresseux pour que certains pères de famille ne vivent pas aux dépens des autres. Mais néanmoins, comme ils sont des frères dans la case, si l'un de leurs a un problème de vivre, les autres vont intervenir. Comme je vous ai dit au départ, que sur l'île, on est en majorité des animistes. Et les animistes, ce sont ceux qui adorent les fétiches. Donc sur l'île, nous en avons plusieurs fétiches. Et tous ces fétiches n'ont pas tous le même rôle, ils ont des rôles différents. Comme celui qui est derrière moi, c'est le fétiche protecteur du village et des villageois. Donc quand les villageois ont un problème au niveau de leur village, ils vont contacter leur chef de fétiche. Ils vont venir dans leur lieu de culte quand ils arrivent.
Le chef de fétiche se met sur ce bâton-là qui est par terre et la population se met à l'intérieur. Cette population doit transmettre leurs doléances au chef de fétiche. Et lui, après avoir reçu les doléances, il les transmet au fétiche. Quand ces doléances sont satisfaites à 100%, l'intéressé ou la population paye une chèvre, un porc ou un bœuf. C'est pour cela à l'intérieur, dans la crypte du fétiche, vous avez vu qu'il y a des crânes, des mâchoires ou des cornes de bœuf. C'est ceux qui ont été satisfaits à 100% qui ont payé ce qu'ils ont promis. Et de l'autre côté aussi, vous avez sur les bâtons des anneaux. Si vous venez avec un bidon de 20 litres, de 30 litres, de 40 litres, vous faites l'anneau sur la tête pour amortir le poids du bidon. L'île de nos mamans vont à la quête du coton. Elles vont nettoyer le coton et après elles vont utiliser le coton pour former le fil. Maintenant, quand elle va remplir cette tenue-là qu'elle a sur la main, ils le mettent dans un objet. L'objet se trouve à l'intérieur de la case. Et après, maintenant, son mari, s'il veut tisser, il décroche l'objet, il va tisser. Quand le mari tisse, il va former une très grande bande comme cela, une bande qui fait à peu près 80 voire même 100 mètres de long, tout dépend de la longueur qu'il veut faire. Après, il va rendre la bande à nos mamans. Nos mamans vont découper les bandes, elles vont les raccommoder pour former un pagne. Et ce sont ces pagnes-là que nous portons pour danser pendant nos cérémonies traditionnelles. Ou bien nous les utilisons pour inhumer nos morts, envelopper le corps du défunt avant la mise en terre. Ou bien nous les utilisons pour porter les nouveau-nés. Ou bien nous les portons pendant nos mariages. Et la teinture, elle est faite localement. Elles vont dans les villages environnants. Il y a une certaine plante qu'elles arrachent, qu'on appelle dans notre dialecte Basekete. Elles enlèvent les feuilles de la plante, elles les font sécher, après elles les pilent. Et après, elles les plongent dans de l'eau chaude. Les feuilles perdent leur couleur, elles plongent dans le tissu. Et pour qu'il y ait les taches, donc elles attachent pour que cette partie-là n'absorbe pas l'eau. Et après, elles détachent, le pagne devient tacheté.